Voilà. Puis, chasser. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes de travers? Chasser. Et toi, t'as un problème? Chasser. Mais du coup, en ordre, si y a qui peut partager ses pouvoirs, c'est cheaté, mec. Non, c'est le truc qui est vraiment cheaté. Eh, hey, papy! Papy! Regarde! Chasser. Chasser! C'est bien. le truc qui est super cheaté avec Jack, c'est. Tu sais, tu peux ramasser les armes et tout pour donner aux trucs. Oh, quelle tête de cul! Chasser! Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir? En fait, si tu veux, t'as un générateur d'énergie. Et en fait, tu mets les armes, tu fais effet fondre et t'as des énergies pour créer les tourelles et tout, tu vois. LOL. Donc t'as compris le truc. Par contre, ils ont enlevé un truc dans le jeu. T'as plus les tourelles où tu tires toi-même. J'en ai à peine vu des tourelles comme ça. Là, ça... Il est déjà cassé. T'as juste les tourelles auto. On a enlevé pas mal de choses. Suivons sa trace. J'ai vu une trace verte au sol, mais... Oui, bah oui. Du coup, on bouge pour vous, c'est bon? Bah ouais. Je pense. Suivons sa trace. Ah bah, il était juste là en train de dire. Je vous attends. Tu peux pas passer. Ah, ouvre la porte! Ouvre la porte! Je peux pas passer. Ouais, c'est difficile. Bah, lâche ta cryo. Ah si, j'arrive. Ah bah, son. Ça veut pas, ouais. Mais si tu peux, t'as le symbole de Jack. Donc tu ouvres la porte sur toute déco. Voilà. Et alors, le temps que Chris apprenne à ouvrir une porte, Nice est déjà parti à l'autre bout du monde. Non bah là-bas, ça y a X qui reste appuyé, là tu vois le symbole. Et normalement... Enfin tu commences à avancer mais t'as mis ta... T'as une clé USB à poser va... 10 minutes pour ouvrir une porte. Bon, on joue à faire, on fait un Shifumi. Ah non, fallait tirer dessus. Ok. J'ai dû avancer en même temps que X. C'est qui a eu ses règles? C'est Niles. Laisse nous faire les blagues s'il te plaît. Ah ouais, on arrive, la boîte de conserve. Je crois que tu peux ouvrir la boîte là. Non. Non, ok. Je regarde de travers, chassé. J'ai pris une boîte de munitions sur moi, si quelqu'un veut. Mmh. Hey, tu veux voir ma grosse... Tu veux voir ma grosse clé USB? Si lui bouge pas, il fait te la mettre sur le nez. On tient, petite merde. Bon là. J'allais dire, ça sent le boss. Ah là, tu peux pas le rater. Oh, oh. Happy Niles. Gale, c'est maintenant ou jamais. Tuons cette chose. Dans son dos, dans son dos. Pas. Bon, moi je peux pas trop viser en fait. Oh! Oh! Oh, il est pas content! Ça oh prend, t'es tellement nul que ça prend sans qu'on va ramener Jack. Je il est gelé, il est gelé. Ouais, ça prend une moitié de gars. Oh, attends, j'ai une vision. Ah, non, c'est pas que j'ai une vision, c'est que je vois plus rien en fait. Sérieusement, il a plus de batterie. Oh bah le bâtard. Ah, merde. Manque de respect. En appuyant sur pause sans faire exprès pendant que t'avais le truc est mort, je crois que mon jeu est passé en débutant. Bah remets la difficulté après, tu peux non? Ouais. Mais est-ce que ça va pas baiser mon succès en finir en intermédiaire? Ah, Pierre, tu referas juste cette mission. De toute façon, tu vas le refaire en démon. Non, c'est bon. Monsieur. Tant que t'as pas vu les descentes. Faut aller derrière. Je sais pas si ça va marcher ce que j'ai fait. Thank you.
En fait, quand il crie, ça m'aveugle, ce bâtard. Ah, il est tombé dans les... Ah, c'est vrai, quand il est sur les flaques, tu peux le casser la flaque et le défoncer. Attention. Il m'a fait très très mal, mais comme j'ai congelé juste à temps, je suis pas mort. Oh. C'est le moment. Je pense que les grenades ça fait pas de dégâts. Ouais, je pense aussi. Par contre là je suis aveuglé, il vient de crier, je suis aveuglé. Il arrive. Ah j'allais dire, il a continué la flaque mais non, c'est bon. Je sais pas si ce canard est dans le... Putain, j'entends la reine qui gueule. Ouah, il m'a planté un pic. Oh, GG le soin. Oh putain, il a bougé un quart à quelques centimètres de son dos. Bâtard, ouais, putain. Wouah. Tu pouvais pas le sauver là, je pense que le bouclier n'aura rien changé. Ça c'est un coup de pute ce qu'il a fait. Il a vu sauter, il restait plus que son torse. Mais en vrai, Berserker du premier gaz, c'est le plus fort, ça sera le plus fort. T'es obligé d'utiliser un rien de loup. Mais en vrai, bah ouais, ouais. Le mec il a pas de points faibles ce bâtard. En vrai, Berserker du premier gaz. Attention! En vrai, mon truc Géniator là, il sert à rien. C'est maintenant ou jamais! Tuons cette chose! Eh hey, putain papy, t'es sérieux, tu me bloques comme ça là. Est-ce que ça... Ouais, je reprends ta femme. Je pense pas ça doit faire. C'est pour un papy, t'as essayé de coller. Je l'ai collé. Je pense que ça va bien, il m'a aveuglé. Je le vois plus. Il arrive droit dans la... Putain, y'a le dos tourné, que là faut pas. C'est vrai qu'il saute au-dessus de moi parce que putain. Oh putain, le bâtard il m'a encore balancé son pic. Oh le bâtard! Oh, il va se faner un peu. Bloquez-vous! Il est de live. Oh putain! Le pic télévisé là. Tu te... Ah ouais, tu dis les flashs en fait. C'est ce qu'il vient de faire, je crois. Ah mais merde, il marche tout à l'heure. Ah bah non. Oh le bâtard, bah oui, j'étais aveuglé. Ah. Au moment que t'as bougé, en fait t'as bougé, t'as esquivé, du coup comme j'étais derrière toi, c'est moi qui a pris. Je pense qu'il a une dent pour ce Kate. Je peux pas recharger plus vite, ça va trop, le bâtard. Attention. Elle vient vers toi. Je crois que son sang est tombé à l'eau. Ça va être baisé. Ah, elle est en train de m'aveugler. C'est dans le bon. Ouais, je vais commencer à la grenade. Non. Vous avez tué la matriarche. On est venu pour arranger les choses, mais je les ai aggravées. Et t'es sûr que ce que t'as vu était réel? Oui, ça l'était. D'accord, alors peut-être qu'elle pourrait nous aider, je sais pas moi. Elle le ferait, si elle pouvait.
jamais, c'est plus ma mère. Alors qui elle est? À un moment, j'ai cru qu'il allait foncer sur moi, il est tombé à l'eau. Alors... Allez, on se casse d'ici. C'est bon, on peut y aller, les frères. Ah, t'as raté le moment au Maroc qu'on a fait ici. Ouais, en fait, Gear 5, c'est un monde semi-ouvert. Et que Niles a raison à propos de la suite, il faut trouver un plan. Pas mal. Non, on essaie l'ancien plan. Il nous faut le rayon de l'aube. Il faut le rayon de l'aube pour tout, de toute façon. Non, je déteste le rayon de l'aube. Le rayon de l'aube a tué Lizzie Carmine. Oh, super. Oui, la nièce de Clayton Carmine. La nièce? T'es en train de me faire les Carmine. Ah, il est plus stylé, Baird, avec l'armure. Tu crois vraiment que je t'aurais confié un robot unique en son genre, sans être capable de le suivre jusque dans les entrailles de la planète? Ouais, ouais, ça va. En parlant de choses uniques, aide-moi à marrer le skiff. T'as trouvé ce que tu cherchais? Ouais. Et maintenant, on doit le tuer. Est-ce qu'elle va bien, au moins? Pas vraiment. Je voudrais te demander un truc. Combien de temps il faudrait pour que le rayon de l'aube fonctionne? Marrant, tu demandes ça. Tu sais ce disque dur que t'as trouvé il y a des mois sur l'URI? Ouais. Il est très intéressant. Intéressant comment? Tu verras. Et ça tombe bien. J'ai une vieille connaissance dans l'URI. Il connaît tout le monde, Bernard. À la maison, Sam. Ouais, je suis en tâche. C'est ouf parce que la première fois que tu vois Bert, tu dis putain, c'est un fils de pute. Mais au final, c'est le mec le plus cool du jeu. Avec Cole, bien sûr. Non, c'est vrai que c'était Dom. Ouais. Enfin. C'était. On va dire. Le plus. Enfin, il avait son truc, quoi. Ah, ça y est, on sera plus dans l'âne, papy. Bon, ça, quelques semaines plus tard. Avec Cole, un peu de blague. Les affaires. Acte 3. Du coup, je vois toujours le robot, non? Oui, oui. Ouais. Bienvenue à Vasgar, berceau du programme spatial secret. Bah, continuez, on va dire que c'est pas bon. Padouk. J'ai jamais mis les pieds en territoire URI. Et il faudra attendre. Vasgar était indépendante. L'URI a eu l'immense plaisir d'occuper. Non, excusez-moi, de libérer ce glorieux pays. Bien. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il y avait que des nomades énervés qui vivaient ici? Voilà Garon Panic, le plus énervé de tous les nomades du coin. C'est lui, ta vieille connaissance de l'URI? Il y a deux choses que je déteste, Ben. La CGU et les gamins. Tu m'as amené les deux. Personnellement, c'est les vieux et le désert. Et pourtant, on est là. Hein? Je l'aime bien, la petite. Allez, suivez-moi. Attends, je relance le truc comme il faut, puis aller faire un test. Alors voilà. Le programme spatial de l'URI était bien plus avancé que ce que la CGU a révélé au public. Quelque part sur ce cosmodrome, il y a une fusée contenant des satellites du rayon de l'aube en état de marche. De désinstaller. On peut réactiver l'intégralité du système et frapper la vermine directement où elle vit. Alors pourquoi on n'a pas utilisé les satellites de l'URI pendant les guerres pendulaires? Les politiciens voulaient leur armistice. Lancer ces satellites aurait certainement prolongé le conflit d'un bon siècle. Pourtant, certains ont quand même essayé de les lancer. En fait, ça a déclenché une belle petite guerre civile, les gars. On connaît la disposition de ce cosmodrome. Où sont les satellites? Essayez le hangar à fusée, là. Et les rafales sont trop violentes pour survoler ce désert. C'est là que votre skiff entre en jeu. Question. Comment on sait que ces satellites fonctionnent? Ou qu'ils sont compatibles avec les nôtres? Réponse, on l'ignore. Et c'est là que tu interviens. À moins que tu sois trop lâche pour ça. Ou stupide. Ou faible. Mais merde, c'est qui ce type? C'est un ami, même s'il en a pas l'air. Mais pour l'instant, familiarisez-vous avec les lieux.
La plupart des bâtiments doivent être enfouis sous le sable. Oh, et passe me voir avant de partir. Du coup, tu reviens pas. Je reviens. C'est juste un truc avant. On trouvera un moyen. On n'a pas le choix. Continue à jouer, on est en cours. De toute façon, là, c'est de l'exploration. C'est pas ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti. Vous n'avez pas besoin de ma clé USB. Ils s'arrêteront pas. C'est moi qui l'ai éveillé. Alors c'est à moi de l'arrêter. Ouais, mais t'es pas la seule fautive. Allez, Berbe nous attend. Putain, on a un extrême à l'autre, on passe d'un désert glacial à un désert désert. Désert tout court. On dirait le désert de Mars. J'avoue qu'il est très jaune. Très rouge, je veux dire. Pas la même couleur quand même. Ah, bien, mais papy, tu vas pas fouiller tête de cul. Jack a besoin d'une amélioration. C'est sûr, oui. Alors pourquoi Baird il t'a parlé? Bah hein. Pourquoi je trouve ça? Parce que je t'ai vu faire demi-tour, papy. <fait. rire> Vous savez, ce bâtiment. T'essayes de me la mettre à l'envers. Non. Ouais, on n'a pas non plus des masses de temps à perdre. La gueule, Baird, on fouille. T'as fait de l'autre côté sur la droite? Oui, bah c'est justement là que j'ai fouillé. C'est moi t'es dit. Après avoir fait demi-tour. Ah oui, moi aussi. Possible, je vois pas. Alors, regarde-moi. Ok, une nouvelle amélioration pour Jack. Mais t'as pas de lunettes de soleil. C'est des lunettes. Et moi non plus. T'as pas de lunettes. Moi, je me vois avec des lunettes. Nouvelle capacité découverte, le piratage. Ah, tu peux pirater les ennemis, mec. Tu vas pouvoir pirater les ennemis, Chris. Bah ça, c'est nous spy quel ennemi on va avoir. Bah, les robots. Des robots. Et du coup, si je peux améliorer le USB dans le cul. Le pirate acte 3, les affaires en train de 30% la durée. Oh, si je garde encore un peu, les ennemis que tu vas contrôler seront sous l'effet du spray. Ouh. On dirait la map. Attends, il doit y avoir des composants pas loin, Paps. Faut bien j'en ai un là-bas. Où t'es? Ah ouais? Ouais. Tu vois la météo? À l'heure qu'ils font. C'est joli. En 4K, c'est joli. Tu as un ennemi avec des balles qui ricochent grâce à la capacité barrière de Jack. C'est un peu buggé, non? Parce qu'on l'a installé, l'amélioration, et... Ah, faut l'équiper aussi, je pense. Voilà. Alors, elle est où? Ah, ok. Hop, c'est bon, j'ai. Ah, il fallait perler, merde. Équipe. Non, c'est juste que c'est Chris bon. Il doit équiper piratage là. Oh, donc, c'est bon, je l'ai. Bah, viens vers Baird, s'il te plaît. J'ai un truc jaune là devant moi. Je pense que c'est un truc à prendre. On n'a pas non plus. Ah, bah, là, il y a Baird qui dit maille ton cul. Je peux pas que tu bouges pas. Normalement, les composants, tu peux les prendre. Oh, j'ai pas essayé, je t'avoue. Je me suis dit sans robot, tout ce qu'il prend, c'est dans la main. Vous savez, ce module va pas s'installer. Ah oui, je l'ai. Elle est juste là. Juste devant. Y'a rien. Ah si, c'est bon, je vois. Voilà. Merci. Et normalement tu peux le prendre. Ça toi aussi. Hein. Ouais, on va le voir, on a plus sur X. Il dit que tout ce qu'il prend c'est par son bras. Alors, 15, bon, le temps qu'on fait tout ça, je pisse un coup.
Ah ouais, c'est bon, on est là, papy. T'as pas le temps. Ah ouais, je veux plus ça. Au pire, je meurs. C'est vrai que c'est sacrément rouge, putain. Pour la vie, faut que tu pirates l'ordi, non? Non, faut que papy soit plus près. S'équiper, piratage, j'ai cru. Apparemment, le contrôle d'un ennemi. Du coup, si moi je le prends en contrôle, ça se passe. Non, non, ça en gros, c'est. Ça, l'ennemi tire sur les ennemis. Sur ses ennemis. Ok, alliés. C'est pas moi qui prends. Non. T'as vu quand même qu'il y a un char là, juste derrière Bernd. On dirait le char de Metal Slug. Grave. Il y a des endroits que seul toi peux aller et fouiller, donc hésite pas à fouiller un peu partout. Truc, ah tiens, je vois un truc que papy il a pas vu. Je vais faire un petit tour alors. Tiens d'ailleurs. Salut mon grand, alors il s'occupe bien de toi. Il vérifie tes niveaux d'huile, il te met à jour. On va en trouver. Tu me manques aussi, tu sais. J'étais fait pour être sur le terrain, pas pour rester planté dans un labo. Par contre, fais-moi plaisir. Essaie de pas t'attacher à eux, pas qu'à moi, d'accord? Ça me briserait le cœur. Bonjour, bonsoir. Un livre. Ah, bah, j'ai. Je pense que attends, alors attends. Il y a un copain justement. À mon avis, il y a quoi? Bon, voilà. Hop. Améliore ta capacité. T'appuies sur Select, tu vas dans les capacités de piratage, tu peux l'améliorer d'un niveau. Attends, il est encore en train d'essayer d'équiper ? Ce module va pas s'installer tout seul. Non, on t'attendait parce que tu n'es pas assez prêt. Ah, bon, recharge voilà. Plus rapide ou mise à niveau ? Faites contrôle par spray. Putain. C'est pas une compétition. Enfin, si ça l'était, vous perdriez. Mais c'est pas le cas. Vous l'avez eu ? Faut faire pire, pas bien équipé l'amélioration et tout là. Est-ce que c'est peut-être pas le robot là-bas qu'il faut pirater? Possible, c'est à mon avis s'il me parle de. Ah, moi il me parle d'installer. Moi je l'ai installé. Depuis que Chris est là, on a des problèmes. C'est en merde. Alors quand non, je parle le problème, robot, c'est qu'au moment. Ah, attends, le problème c'est qu'au moment où Baird il a commencé à nous parler, quand on a équipé le truc, Chris il s'est connecté, donc ça a dû bugger. Tu veux que je quitte pour voir? Attends. Bah non, c'est ça, rien que tu quittes, je vais recharger. Du coup, on est obligé de aller chercher tous les composants ou... Peut-être. Faudra vérifier. Ouais. Il y a moyen. Vu, personne n'était sûr que ça marche. Je m'en fiche. On trouvera un moyen. Hop, je prends un petit coup. Ouais, il faut tout aller récupérer. C'est pas ce que j'ai vu. Hop, je vais chercher celui-là. Je vais aller chercher tout ça. Ils sont une reine maintenant. Ils s'arrêteront pas. C'est moi qui l'ai vu. Dans son sprint, il sprint juste pour dire. Hein, parce que putain. Ouais, mais t'es pas la seule fois. Allez, Baird nous attend. Donc là il y avait le cahier. Ah non c'est bon il a été pris le cahier. Et c'est papy qui l'a pris. Hop là. Non mais c'est vrai que le cahier quand je suis arrivé je me suis fait putain pourquoi on a encore cet objet je l'ai pris tout à l'heure. Donc. Attends, je suis en train d'aller chercher un autre composant moi. Non c'est bon parce que tout à l'heure en fait mais c'était grisé mes compétences. Mais là je l'ai pas encore. Bah là, normal, il faut le ramasser du coup. Peut-être la rose. Ah, bien, vous êtes là. On laisse module sur la table. Jack a besoin d'une amélioration. Oui, améliorez-moi. Alors, équiper, améliorer. Mise à niveau. Bah là, c'est pour les deux, donc ça va mis durer et c'est prêt. Vous savez.
C'est bon. Alors, c'est quoi l'amélioration? Toi, t'as raison. Suivez-moi. Suivez Baird, voilà. J'ai envoyé un petit cadeau à Paduc. À mon avis, au bout à droite, il y a un composant papier. Oui, c'est bon. Potentiellement désastreux. Ah, non, où, à là-bas. Merci. Okay. Votre façon de décrire la machine de Nike m'a donné une idée. J'appelle ça le piratage. Allez-y, essayez. Ah non, j'ai le contrôle. C'est toi qui shoot et tout? Ouais. Ah, un horde, il peut contrôler les ennemis, Jack. Même les locustes, je crois. Tu peux pas taper avec B pour le coup de cross? B? C'est vrai que c'est pas mal. Non, c'est hyper solide. Non, gâchette supérieure droite. Ouais. Voilà. Attends, t'as trouvé un moyen de supplanter leur esprit collectif? Non. Jack inonde leur cerveau de courant électrique. C'est brutal, ça dure pas longtemps, mais ça fonctionne. Et ça marche contre quel type de vermine? Eh bien, les données de nos cobayes sont limitées, bien sûr, mais... Vous savez quoi? Lâchez-vous. Je suis utilisé sur tout le monde. Non, normalement, tu peux utiliser sur les locustes. Pas dans son cul. Une dernière chose. Passez voir Paduc avant de partir. Il est devant. Paduc. Encore une chose, Ben. Une fois que le réveil sera activé, je dois être sûr de pouvoir compter sur toi. Ne fais pas pour ça. Cette fois-ci, on va faire les choses correctement. Tu sais ce qui est arrivé à Lizzie et au convoi. Ta gueule! C'est gentil de ta part de dire ça, mais c'est moi qui ai appuyé sur le bouton. J'avais un mauvais pressentiment. Je voulais pas le faire. Attends, mais arrêtez de tuer les Carmine, sérieux quoi. Je trouve que c'était Lizzie, j'avais un crush avec elle. T'as vu JD récemment? J'essaie d'éviter. T'as des crushs avec toutes les filles avec des pixels. Non. Là, Carmine. Non, en temps normal, non. Le plus gros crush que j'ai, c'est J. Valentine. Venez par ici, les enfants. Venez par ici, les enfants. Semaines, on s'en sortait bien. Oh, c'est quoi ça, du gris? Je l'ai vu, c'est une traite. Tout a changé. Ils sont devenus plus malins. Soudainement, ils se sont mis à porter des armures. Et à fabriquer ça. Prends-en un, si tu veux. Alors, vous et vos hommes, vous pouvez faire un seul? Oui. C'est pour ça que j'ai laissé Baird de venir ici. On vous aide à lancer la fusée et en échange, vous nous aidez à reprendre notre territoire. En parlant de ça, notre approvisionnement en eau a été coupé. On a essayé de le rétablir, mais la vermine a... En gros, je te donne une quête secondaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Activer le rayon est notre priorité, mais... Mettons qu'on vous aide. Qu'est-ce qu'il faut? Notre citerne d'eau. Vous allez passer devant en sortant. Mes gars postés là-bas ne m'ont pas donné de nouvelles depuis un moment. Ce n'est peut-être rien, mais je préférerais m'en assurer. Passez-vous ah, Ok. Chris, derrière moi. Question. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Parce que votre skiff est sur la piste. Et le t'as un coffre ici. Tu vois ce que... Bah, ouvre-le! Il a écrit un symbole de piratage. Non. Je sais pas si il faut que j'appuie sur X ou que je fasse la grosse brute ça. En fait t'as les Lanzor lance-missiles, t'as vu Chris ou pas? Non, ça j'ai pas vu. Et t'es qui toi? Tu sais que je n'ai pas fait boîte de conserve deuxième langue. Et pourtant, continue... Traduit en tirant. Ah bah génial. Tu sais que je n'ai pas fait boîte de conserve deuxième langue. Le fusil à pompe, t'en as besoin ou pas? Tu l'as, tu veux que je lâche ou... Lâche-le. Tu peux le lâcher. Hein. Moi, tu sais, j'ai le Mark Za et le Lanzor LG. Donc, Je prends le Mark Za quand t'as besoin de balle. Hein. Qu'est-ce qu'il reste à rien? L'Ouéry. En fait, c'est l'Ouéry, c'est des Russes. De donneurs de pièces. Ouais. Oui, non. Ça va pas du tout compris avec leur accent. Faudrait. La piste est par là. C'est un peu des Allemands.
Ya ça aurait pu être Bah non, ça le fait moi. Je sens que ça va pas me plaire. Ah, c'est JD. Pourquoi il s'est coupé les cheveux? Enfin, on va dire qu'il s'est pris un tir de rayon de l'aube en pleine gueule. Je pense qu'il a, il les a plus perdus. En fait, parce que tu peux pas. Kate. Tu devrais essayer d'écouter pour une fois. Kate. Je t'écoute. Connard. Eh ben. J'ai fini. Ok. Je suis venu aider. Si t'es d'accord. Excuse-moi. T'as dit quoi? Ils étaient pas super potes. Mon père m'a dit pour si, mon mais cadavre. Lui, c'est un connard. Et tout le reste. Eh. Hey. Écoute, je sais que tu me fais pas confiance, après tout ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Je comprends. Et qu'est-ce que Jean pense de ta présence ici? Jean, elle en sait rien. Vraiment? Et alors du coup, il vient nous aider aussi? Ouais. Au final, Faz est un gars bien. Non, je suis pas un gars bien. C'est juste que tu t'habitues. Je peux savoir qui c'est? Des amis. Ils nous accompagnent. En tout cas, moi je les aime pas. Ah ouais? Si tu veux qu'ils nous accompagnent, ça me va. Mais je traite qu'avec toi, pas avec eux. Ça te convient? Je te l'ai dit. Je suis venu aider. Baird. Bon allez, montons dans le faucon et allons chercher ces satellites. Pas de faucon. Vous pourriez jamais survivre en rafale. Donc quoi? On y va à pied? Eh hey mec, tu veux marcher? Pas de soucis. Mais nous on a d'autres plans, ok? Oh, c'est pas ce putain de skiff. Mais genre maintenant tu peux pas changer de perso vu qu'on est 50 là? Non. J'ai besoin de vider mon sac. Et y'a du lourd, crois-moi. Vas-y. Vide-le. Tu m'as menti. Et après, quand... Attends, papy, monte pas, y'a un hangar à droite. Comme si on se connaissait pas. Il y a deux hangars. J'étais pas sûr celui de plus à gauche. Ça, c'est sûr. C'est de la triche, Chico. Il va plus vite, Chris. Pour info, j'ai bien essayé de le convertir à devenir Dark JD. Dark JD. On peut pas aller plus loin. Mais moi, voilà. T'as rien trouvé dans l'autre, Paps? Bah, je suis en train de regarder, mais y'a rien. Et y'a un mur invisible. Ok, bah go dans le ski. Je te laisse conduire comme d'hab. Pas de problème. Oula. On attend ici. T'inquiète, tu maîtrises. Oula. Ça m'inquiète. Faut que tu montes devant moi, Chris. Faut que tu montes devant moi, que tu t'installes devant. Oula. Même technique que tout à l'heure, Paps. Tu longes à gauche. Toi à droite. Pas qu'hier. Alors c'est parti. Si t'as envie de longer à droite, vas-y. Hein. Parce que l'objectif est à gauche. Tu peux pas balancer, c'est parti comme si rien ne s'était passé ces derniers mois. Del, arrête. Il a dit normalement on passe devant quand on part. Laisse-le s'exprimer. Non. Ça c'est pas juste. Tu l'as supposé alors que moi je m'énerve. Vas-y, énerve-toi. J'avoue, j'ai deux objectifs. Tout ce que je veux, c'est aider. Bah, la citerne, ça doit être un objectif secondaire. Non, c'est un objectif principal. Et là, c'est. C'est la quête. Enfin, c'est. Non, base, c'est la citerne. Attends, je regarde la carte. Attends, il y a des trucs devant. Il y a eu un truc briller. Ah non, d'accord, ok. Ouais. My bad. C'est pas grave, on a eu encore besoin. J'allais dire pourquoi je peux pas avancer, mais. Je suis pas là. Oh bah, ma fille! Viens, ma fille! Allez, viens! En fait, c'est une petite zone ici. Donc, en fait, faut aller tout droit. Longe les bords quand même. Là, tu vois. Et sentez les capacités de cratère à gauche. Tu prends grave? Je sais pas si on peut y aller. Non, on peut pas améliorer mes RT. Ouais, tes RT ils sont déjà un peu améliorés.
Non, papy, va pas tout droit, va pas tout droit, va pas tout droit, va pas tout droit, va pas tout droit. Y'a que ça là-bas. Là. Là. Va bien longer le bord là-bas. Non, voilà. Très bien la amélioration. Ça revient au même endroit. Mais non, mais pas par là, papy, dans l'autre sens. Genre d'où on vient. La map, elle était pas découverte. Genre là, là. Là, c'est... on l'a visité ici. Non. Y'a rien. On a pas longé bien, on a pas bien vu. Là, je suis sûr qu'il y a rien. Maintenant, c'est bon, tu peux aller de l'autre côté. Si, si tu veux, t'as une voiture. Quoi? Je t'entendais pas. T'as une voiture là, derrière. Y'a une voiture. Ah bah oui, bah attends, y'a peut-être quelque chose. Très certainement quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, qui c'est qui n'avait raison? Hein? 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 C'est moi qui l'ai vu la voiture. Ouais, mais c'est qui a dit d'aller là? Hein? C'est moi qui est venu ici. Bon, mais c'est regardé. Grave. On est un peu bancal là quand même. Ça sert à quoi qu'ils se mettent devant si au final il est pas. C'est lui qui vole. Hein? Quelqu'un peut m'expliquer? Ta gueule. Oh putain. Chauffard. À gauche il apparaît quelque chose, non? Non. Pour toi papy tu vois des choses qui n'existent pas. Oh eh. Je comprends pour c'est qui a vu la voiture? C'est qui a dit d'aller vers la voiture? Oui mais si tu l'as pas vu toi la voiture. J'ai plus de son du jeu. Et alors? J'ai plus de son de jeu. Moi aussi. Ça t'empêche pas d'avancer? Moi je l'ai toujours. Ah mais j'entends même plus le bruit du moteur, j'entends que le bruit du menu. Moi aussi. Et alors? Moi je l'ai toujours. Ah mais... faire foutre. Non. Voilà, par là, ouais. Ouais. Non, 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 non. C'est d'où on vient. Allonger le mur, là. Le mur, là? Non, là, c'est d'où on vient. Ah putain, je dis oui, excuse. Voilà, ça t'attaque. Non, par contre, je quitte et je reviens parce que... c'est perturbant. Tu pourrais au moins attendre qu'on soit dans une zone posée et pas en plein milieu de la plaine avec le skiff? Bah, c'est une zone posée en plein milieu. Ah oh, mais quel enculé. Tu m'en invites? Bah du coup Chris a quitté aussi et revient. Bon c'est bon, on s'est démerdé pour joigner. On s'est revenu un peu après tout à l'heure quand ça a bugué. Donc... au pire j'entends ça sur vos écrans donc... C'est sur l'écran de papy parce que normalement le mien il n'y a pas de son. Normalement je dis bien. Ouais, je sais pas, tout à l'heure j'entendais quand les gens parlaient donc. Ouais, c'est papy. Ok, là il y a un pilage. Eh, pourquoi t'es descendu là? Je peux plus avancer. Je suis pas descendu? Non, je parle de Chris. T'es même pas dans la partie, c'est sûr que t'es pas descendu, bâtard. Je regardais si je pouvais scanner, mais je peux toujours pas. Pas avec you. Ah, Rachel a pas qui. C'est parti. Oula, sur le bot de texture, moi, maintenant. Rouler dans le vide. On peut pas accéder. Je suis là. Oh. Là. Non, c'est j'ai un chargement. Ouais, moi aussi j'ai un chargement. C'est parce qu'il est arrivé. Papy il est arrivé. Ça nous fait bugger. Ça a foutu la merde. Encore un chargement. Bon, du coup du lit, du coup du lit. Bah oui, t'inquiète.
C'est cool de conduire en fait. Attends, je regarde où j'en suis niveau exploration. En fait, j'ai une toile qui sert à rien, c'est juste que je vois la carte quoi. Je vais aller de l'autre côté. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Sinon, ouais, c'est ici la citerne. C'est un appareil photo direct là. Mais... C'est moi ou la map elle a l'air immense, un peu plus immense ce coup-ci. Plus grande que la neige en tout cas. La citerne, ça doit être le gros truc là-haut là. Ouais. Préparation, on m'a dit de faire le tour. Kate, j'imagine que c'est la citerne de Paduk. On va regarder. Excuse-moi si je m'arrête, hein, je regarde la map. Attends, on va à droite là, il y a une petite plante. Le temps il est plus très convivial. Objectif secondaire, réseau hydraulique. Eh, hey, vous avez vu ça? Par ici? On dirait un genre de station spatiale. Ça vaut le coup de vérifier. Ah, si c'est un truc pour scanner la carte, ça va être cool. Complexe d'entraînement des cosmonautes. Bon. Ah, d'accord, pour descendre, faut que je maintienne. Ah, chargement. Oula. Putain, mais c'est quoi là? C'est depuis qu'il y a Chris et Papy. Ouais, c'est, plus que, c'est plus que de FIFA et JD sont revenus. Une sorte de station spatiale. On va aller regarder. Ouais. Putain, merde, on va le faire même pas. C'est le centre d'entraînement des cosmonautes, mais avant d'y aller, vous devez savoir une chose. Je vous ai déjà dit que l'armée de l'URI avait attaqué cette installation et essayé de lancer nos satellites du rayon de l'aube. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai mené l'attaque. Sérieux? Pourquoi? Pour détruire la CGE. Oh. Évidemment. Quoi? Il y avait pas que les six juifs dans le monde en fait. Oh mais le pas que. En fait c'est ça que tu te rends compte qu'ils avaient pas besoin d'Ilocus pour faire la guerre comme des cons. Pas du tout. Il y a quelque chose à l'intérieur ou pas? Ils ont une bonne raison de se mettre ensemble. Et là, c'est toujours la guerre. Compris. Pardon, des balises de visée pour le rayon de l'aube. Du matériel de l'UE à la pointe dans certains domaines et à la traîne dans d'autres. Il y a une arme ici. Fragment de missile. Non, oh, c'est pas non. Quoi? C'est quoi ça? Quoi? Attention les gars, vous êtes de l'autre côté. Hein. Mais il y a des trucs qui ont traîné sous le sable. Oh bah. C'est jamais bon le désert de toute façon. Ah. Il y a des bestioles qui se baladent? Sans rien, t'inquiète. Hop, composant. C'est super perturbant d'avoir que le son du jeu. Ouais, il a toujours bugué ton son. Ouais, ouais. Ouais, faut quitter revenir. Bah, il l'a fait. Non, moi oui. Non, c'est ta. Alors, si on l'a remis en jouant, mais bon. C'est complexe, il monte un truc. Vas-y, attends-moi. C'est bon, j'ai un accès. Je vais faire ça. Rien dans tu scannes? Bon, allons voir ce qu'on a là-dedans. J'ai déjà scanné normalement. Mais ça reste pas quand tu scannes. Papy. Là. Cinématique. Ah non, c'est juste un truc d'entrée. Bon. Paduk, on y est. Ça a tout l'humilité. J'étais certain que les balises de visée se trouvaient dans cette installation. Na Chris. Avant que je puisse vérifier, tant que votre bot n'aura pas neutralisé le virus, vous ne les trouvez pas. Il a pas scanné ce bâton. Hey, pas d'inquiétude. Parce que ça te l'indique pas. Ça. Dis-lui mon grand. Allez, salut gros. Ça normalement tu peux commencer à améliorer. Ouais, t'as 18 composants, tu peux améliorer un petit peu les trucs.
Après, dis-moi, c'est en fonction, parce que après, je sais pas si ça garde les améliorations, donc... Améliore le piratage. C'est le son du jeu qui est revenu. Tu mets recharge plus rapide pour le piratage. C'est oui. 13 combien de points? 5. 5? Ouais, tu peux pas augmenter grand chose après. Là, je suis pas allé par là, moi. Ah, dès que t'en as 13, t'augmentes ton électro-laser directement. Ça marche. Bon, il veut pas rentrer là-dedans. Comme ça, tu l'améliores au max. Voilà le terminal de sécurité. Il faut juste que... T'es notre lampe torche, Chris, donc... Attends, parce que là, je crois que maintenant, je suis... Voilà. En fait, j'avais vu la sœur... J'avais vu... Vas-y, connard. Il a vu où faut aller, mais il fallait que vous avancez, que vous me dites « Ah, c'est là que tu dois aller !» C'est là que les balises devaient être cachées. La centrifugeuse, ok. Mais ne traînez pas, une tempête vous fonce dessus. Putain, quand on doit pirater un truc, c'est plus long qu'on sait qu'est-ce qu'il fait. Hein. Pourquoi pas les gens ? Petro Lanzar, Marca... L'installation s'active, Delta. Vous voyez, Jack pouvait le faire, Fastos. Jack a neutralisé le virus, on est dedans. Dans ce cas, vous avez désormais accès à toute l'installation. C'est pas assez revient le son du jeu. Non mais on n'est pas sur Terre ici. Attends, on a accès à la salle où était Chris. J'ai l'impression que je suis sur Mars dans Destiny. Tempête ou pas, Il y a une épave de condor. Ah, j'ai ouvert à gauche. Eh merde, t'aurais pas perdu un condor par hasard? Plusieurs en fait, en livrant les armes à un certain ami à moi dans le désert. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez tout ce que vous trouverez. On lance le scan, oui. 5 sur 5. Il y a là un scanner quand on parlait. Putain, on est à l'acte 3, et avec tout ce qu'on a fait, on a eu le temps de finir. On aurait pu finir 3 fois Gears 1. Allez. Vous, 5 composants de. Demain. Et des mines. Lumière, Chris. Vers moi, s'il te plaît. Oh non, y'a rien en fait. Je croyais qu'il y avait peut-être quelque chose, mais non. C'est une autre série de rafales pour y arriver. Évidemment. Je vais te dire, entre la guerre civile de Paduc et les intempéries, ils ont pu se faufiler partout. Moi, je pense que je vais faire l'aller-retour parce que ça commence à devenir sur la longue, ça revient pas. Tu vas faire un aller-retour? Ça va marcher. Ouais, j'ai quitté, je vais revenir. Je reviens. Au moment qu'il fallait. Au moment où il y a du fight. Et on a un bastion. Allez, on se débarrasse de ces vermines. Tu vois, c'est putainement stressant et ça va tirer au niveau des mobs. Je pense pas savoir d'où ils viennent, je sais pas comment arriver. Allez, je sais très bien ça. Dégage. Est-ce que je pêche sur la tête rouge? Oh, c'est un truc de canon. Ils avaient déjà débloqué les persos du jeu. C'est tous les persos au début du jeu. Dans le nord. C'est des skins que je peux débloquer, c'est tout. Mais du coup, c'est vrai qu'il manque un peu de personnages dans le nord. T'as pas Cole, t'as pas Baird. Vous avez pas la carrière? Non, y'a pas de carrière. T'as pas les carrés? Non. Faut le dire sur le carré. Par contre, t'as Sarah Connor. Dans le précédent, je crois que tu les avais. Ouais. Et t'as Emile et Kate de Halo Reach. Moi, je l'ai pas, je sais pas. Par contre, t'as vu Papyrou qui avait un grinder, non?
j'ai pas fait gaffe. Ah ouais. Putain, y'a le seul connard qui nous fait le plus chier parce qu'il nous bombarde comme un gros porc et. Ah non, j'avais pas vu. Ça fait plaisir quand même quand enfin les fils d'assaut font des headshots. Maintenant que j'ai dit, je sais que ça sonne bizarre. Ouais. C'est parce que tu visais mal avant. Non, dans Gears 1, okay. Tu pouvais pas faire de headshots au Lanzor. Par contre, au pistolet, tu pouvais. C'est ça que le plus curieux. Oui, parce que, oh oui, en plus, si t'avais un succès, dans Gears 1, il fallait faire 100 headshots au pistolet. Non, 100, non, pas 100 headshots, 100 frags au pistolet. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois c'est tu couches. Plus tranquille. Non, c'était pas tranquille. T'étais obligé de le faire en headshot. Parce que quand il était au sol, ça comptait comme exécution. Oh, tu visais la tête pendant qu'il était à terre? Non, en fait, on s'arrangeait. Comme c'était des parties classées, et tu sais que c'est toi qui crée la partie, on s'arrangeait pour dire bon, bah, on va dans cette partie là. Je crée ça et tout, et en fait, on était 8 joueurs à se dire. Bon bah t'as un mec qui en tue 3 et le dernier qui est en face vivant il tue tous les autres Et on s'arrangeait comme ça. Bon du coup comme t'es pas la Chris hein, le robot je l'ai amélioré au maximum. Vas-y. Tu peux toucher plusieurs ennemis avec ton laser électrique maintenant. Ça va être encore plus marrant. Ils sont en train d'arriver là, c'est en train de. J'ai des phases, ils foutent quoi là-bas? C'est 36. Il te regarde. Okay, ah bah d'accord. Et c'est vrai que c'est salaud, il y a JD et Faz qui sont avec nous, il y a personne peut y jouer quoi. Jack, active cette... T'as deux râteliers sur le skiff si tu veux mettre tes armes. Ouais on sait, t'inquiète. On les a posés mais on les a même pas ramassés les armes tiens en plus. Explorer le monde à la recherche de reliques, le crâne écarlate pour que ses armes uniques ne sont pas loin. Bon ça a pas marché. Je sais pas si ouais c'est connaît. Les armes reliques. En gros par exemple le boomer t'as 3 balles dans un chargeur. Le sniper quand tu fais un headshot t'as une deuxième balle dans le chargeur. T'as 25 balles, flèches d'arbalète au lieu d'en avoir 12. Des trucs comme ça. Mais par contre. Par contre quand t'as ton boomer relique et que t'as un boomer par terre, tu peux pas récupérer une munition dessus. Voilà, c'est ça. Normal. Mais les boîtes de munitions te redonnent des balles de tes armes reliques. Tu vois quelque chose? Ah. Ça marche. Espérons que celle-ci tienne. Espérons qu'elle tombe pas quand on est en dessous. On passe en dessous. C'est toi qui es de retour avec Jack, Chris. Ouais. C'est... ouais. Je t'explique, il faut que tu montes les grilles. À droite, alors. Voilà, c'est toi qui dois monter les grilles. Là je sais pas où il est le machin mais tu en haut à droite. De toute façon tu suis la rue. Ah c'est bon. Ah ça arrive en bas. Ah, en fait, si t'as beaucoup d'ennemis au même endroit, profite de faire des flashs, t'as un succès pour flasher, je sais plus combien en même temps. Ouais, non, faut c'est 3 ennemis d'un coup. Ah, voilà. Nous, on l'avait fait sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès. J'ai fait boah, flash! On va faire le tour, tu vois. Putain. Je vais le baiser. Je suis censé remonter par où là? T'es censé aller là, là. Ah, je sais, mais faut que je remonte. Et ce panneau, il veut pas remonter. Donc il vient ben, à l'endroit où il doit monter tout seul. Si je fais ça. Là, il monte pas. Là, il monte pas. Ah. C'est bien d'avoir un robot volant qui peut. Ah. Ah, c'est bon, c'est par là. Oui, c'est par là. Faut que je fasse le grand tour. Non, ça va, c'est au middle.
Allez, esprit de bâtard. Bon, un recteur, mais qui peut pas monter où il veut. Co-co-co-co-con. Je vais pas faire ça. Par contre, je sais pas pourquoi, je sens que l'acte 5, ça va être renouvelé une droite. Putain. On peut sortir par là. Ça va être le bordel. Où toi t'as bougé toi, si t'as vu. Suivez-moi, on peut passer par là. Attends papy, je suis en train de fouiller. Un pack de munitions si tu veux, si t'as pas. Au moins, tous les devpods sont pas transformés. Ouais, ça ne saurait tarder. Ok. Attention! Tu te bouffes les dans la gueule, t'es mort. Toujours pas des compagnons. Le bâtiment de la centrifugeuse est juste devant. Le truc. En fait, j'étais en train de dire le moteur il tourne encore, mais non, c'est le vent qui fait tourner l'hélice. Pas pour longtemps! Quand on aurait pu ne pas l'attaquer, Chris, on l'aurait attaqué en soum-soum et au moins on n'était pas détecté. C'est vrai qu'on peut faire des assassinats. Attendez, on a un traînard. C'est flashé, mais comme ils étaient à temps, on va s'en compter. Par contre, peu importe la map, putain, il y a des tempêtes à chaque fois. Grave. Toujours la merde en fait. On a deux balaises et il laisse la meuf ouvrir la porte. Voilà. Pas bon. C'est bon, on y est. Alors, où sont ces balises? Vérifions les caméras. Là, regardez, les balises sont planquées dans la capsule. Ouais, comment on va les sortir? Ouais, ramenez le bras, la corde. Ça se tente. Par mon avis, il y a un truc à pirater là. Ouais, je sais, il va falloir que j'attende. Oh, si tu actives, ça va tous les défoncer, mon gars. Je pense. Surtout que des centrifuges, ça. Regarde. Oui. Ouais, regarde, il y a des robots sur le chemin. Et il y a un mec dans la centrifugeuse, t'as vu, il y a un cadavre. Oh. Ils sont en train de se dire, the fuck. Attention, 1, 2, paf, paf, paf. Ce truc est plus vieux que toi, mec. Jack peut pas faire de miracle. Y'a pas un frein d'urgence? Mais y'a des commandes à la base. Il faut traverser avec le truc qui tombe. Oh, ça va, mais moi, je suis pas à l'abri de voler, de m'entraîner. Butez-moi, c'est ça le prix. Et... Jack est face, par contre, ils s'en battent les couilles, mon gars. Ça c'est fait deux fois qu'ils se font enculer par la centrifugeuse. Bien, maintenant on doit arrêter ce truc. Tu voulais dire JD face à Jack. Chaud. Ouais, j'ai dit Jack. Ouais. Canon. C'est pour ça que je t'attends à plus cher. Mais si Jack le bouffe, sachant que c'est Chris qui joue, mais. Aidez-moi, on doit tirer ensemble. Je pense. Papy. Super. Tirer où? Ah non, mais attends, moi je suis en train de faire le tour. Je suis en train de fouiller, moi. Penché, mon cul. Moi je suis en train de fouiller, excuse-moi. Bah, vas-y, si tu fouilles, fouille, vas-y. Et après. Et c'est le moment quand je dis je fouille. Que je trouve que dalle. Bah c'est l'instant, je sais qu'il y avait rien, tu vois. Moi j'ai une salle là, mais il a pas ça longtemps, ce coup. Papy, t'as vu, y'a quoi ici? Un lance-grenade. Ouais. Bah je prends.
ça aurait été cool, elle aurait appuyé sur les deux leviers en même temps. Ah, des vermines. C'est-à-dire rejetons kamikaze qui remplace un peu les rebuts explosifs quoi. Ah ça je me suis Je me suis bouffé un truc, je sais pas quoi. Oh. C'est quoi celle là? C'est vous qui les balancez? Ah non c'est eux. Bah non c'est pas nous. Évite de mourir là-bas par contre, sinon on peut pas te faire. Et ce sera un comble que Jack meurt. Attends, y'a le trailer à côté qui a fait pas mal. Non, c'est pas. Ils vont prendre les grenades. Bienvenue dans le mixage. Je sais juste attendre la flash, mais. J'ai pas eu. Pour le moment, y'a une autre flash. Merde. Un Grinder là-bas. Ah, elle a pas marché, là. Il a juste de votre coup. Vous avez vu celui qui a été marché? Ouais, tu peux pas me mettre à couvert à ce moment. Putain. T'as une invisibilité, je t'en rappelle. C'est pour ça en soutien. Non, mais c'est un pouvoir. Ouais. Attention à l'explosion. Quand des mains, on va s'amuser dans le jeu là. Heureusement que les potes ils viennent hein, parce que ce papy il bougerait pas. Hein. Oh, grave. Attention, ça va pas être. Ah, des cunards. Wow, la centrifugeuse est sortie. Oh, wow. J'ai envie de dire, est-ce que là dans ce qui fait juste viser Jack? Ah ok, d'accord, je comprends mieux. Peut-être. Ok, autant pour moi. La centrifugeuse. Ah ouais, mais je suis mort. Du coup, il a ouvert un passage. Ouais, bah attends, pas. Ah ouais, moi Chris, suis... va falloir que t'attendes qu'on trouve un téléporteur. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Ils ont ouvert. Oh, t'as... En fait, ah, t'as bugué? Je dis ça, mais là, y a un truc pour toi là. Putain. Tu déconnes, Chris. À chaque fois, tu fais tout bugger. Mais t'es marrant, c'est pas moi. Eh. T'étais sur la carte. Y'a qu'à toi que ça arrive, ça. Eh. Bah. Gendaire, hein. Dès que je suis avec toi. Toi, tu fais tout merder, moi, c'est mon karma qui m'encule. Bah, quitte et rejoins. Quand tu quittes, ça fait disparaître Jack. Oui, le principal, putain. Ah, ceux-là, y'a un truc pour toi en plus, donc. Casse-toi. Jack, dis-moi que les balises sont intactes. Voilà, on l'a fait débugger. Putain, Jack est plus rapide que Chris quand il joue. Ouais. Oh, merci. Pas Duc, Baird. On a en plus, t'avais pas choix, c'était la mission. Beaucoup plus grosse que ce que je pensais. Je crois qu'elles tiendront pas toutes sur le skiff. Je vais demander à mes hommes de les transporter. Ok. Et Delta, il m'en faut une ici dès que possible pour commencer à les calibrer sur le réseau de la nouvelle Ekira. Ça vous semble jouable? Ouais, je vais la porter jusqu'au skiff. La vache, c'est lourd. C'est bon, Baird, on rentre.
Paduk, envoyez vos hommes chercher le reste des balises dès que vous pouvez. Delta, on retourne au skiff. Bon, je dis Chris, il doit arrêter de foncer sur les ennemis, il doit rester à côté de nous. Bon, vu que Paduk envoie des hommes ici, on devrait se débarrasser du reste de la vermine. Il a déjà perdu assez de gars. Désolé les gars, je peux pas trop vous aider à vous battre pour le moment. Reste près de moi, JD, je te couvre. Jack, j'ai besoin de lumière. C'est moi ou... Il y a une petite relation intime entre JD et Face. Entre quoi et quoi? JD et Phase. JD et Phase. Ta Phase qui fait. T'inquiète pas, JD, je te couvre. Ah, peut-être, hein, qui sait. Hein. Putain. Pour moi, y'a plus rien. Toi? Bah, je pense qu'il y a plus rien aussi. Ok. Faudrait m'aider! Ah, peut-être que je change de rediff, moi. 1h06.